Yo, salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit live. Et cette fois-ci, j'ai dit, je vais aller tester Supermarket Simulator. Je vous avoue, j'ai testé un peu hier soir, et c'est vite addictif. Donc voilà, donc on va aller jouer à ça, voilà, on va faire comme tout le monde, voilà. Donc on va aller ouvrir notre escrow market, voilà. Donc voilà, petite session chill, cool. J'ai pas encore remis, il faut que je remette mes sauvegardes de Retruck, American Truck et tout ça. Donc voilà, donc on va partir sur ce jeu-là. Ark, bah pour l'instant, c'est mort. Les serveurs sont encore en PLS. Woolcard nous a fait une Woolcard. Enfin bref. Alors, nanana. On est en high, c'est bon. Ok. Bon, bah voilà. Allez, c'est parti. Nouvelle partie, bien sûr. Hop. Allez, j'ai fait yes. Ok. Regardez, amusez-vous bien. Allez, je vais travailler. Tu me casses les couilles, toi. Alors, on va commencer par déplacer déjà des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, on va déplacer ça. Ça, je voudrais le déplacer tout de suite, comme ça, on sera bien pour la suite. Voilà. Voilà. Et voilà, donc là, il faut qu'on fasse quoi? Commander des produits. Ah oui, il faut qu'on commande des produits. Donc on fait gaffe, on n'a pas énormément de... Donc le pain de mie, ça, je sais que le pain de mie, ça part comme des petits pains, c'est le cas de le dire. On va prendre des chocs à pic. Et du sucre en poudre, quoique non, on va prendre des pâtes. On va prendre des pâtes plutôt. Sucre en poudre, on verra ça plus tard. Ah, j'ai toujours pas assez. Bon, ce qu'on va faire, on va prendre du pain de mie, des chocs à pic, d'accord? Ah, pour l'instant, on va fournir uniquement le petit déjeuner, c'est tout. Parce qu'on n'est pas riche, hein, donc on va fournir uniquement le petit déjeuner, voilà. Bon, je me suis déjà un peu entraîné, hein, on va pas se mentir. Voilà. Bon, les chocs à pic, on va les mettre là. Voilà. Les chocs qui piquent. Alors, je vais garder pour l'instant les cartons vides parce que ça peut m'être utile. Pof. Et si je veux redéplacer par la suite et tout, il me faut le carton du produit, quoi. Ben, je vais recommander, mais bon, point. Ah oui, merde, faut le mettre à la poubelle. Bon, on le fera là après. On va le mettre à la poubelle, ils vont être contents. Le pain de mie, je sais que c'est un produit qui se vend, mais phénoménal. Donc, je vais le mettre là. Et ça, c'est la folie, le pain de mie. Bon, je vais pas me faire chier. Je vais le mettre à la poubelle. De toute façon, on va recommander. Hein. Et on va ouvrir la boutique après. Hein. C'est le prix des produits. Voilà. Alors, les chocs qui piquent, prix du marché 5,98. On va mettre un 6,95. Hop, de toute façon, on verra bien. Ils nous diront si c'est trop cher ou pas. Le pain de mie, prix du marché 3,96 €. On va mettre à 4,65 €. Tac, voilà. Puis, on va ouvrir le magasin. Hop, voilà. Quoi? J'ai rien compris. T'entendras la porte, tu vas Oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai qu'une oreille sur le casque pour l'instant. Et bonjour monsieur. Oui, vous voulez des chocs qui piquent et un petit pain de mie? Pas de soucis. Alors, il donne l'argent. Hein. Ça va, t'avais pas autre chose qu'un billet de 100. Allez, ça commence. Il commence à nous faire chier. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Bonjour le monsieur, du pain de mie, oh, par carte, hop. Alors, 4,65 €, voilà, paf. Ma petite dame, des chocs-pics et du pain de mie, et pas de problème, allez, donne ta carte, hop. Alors, ça vous fait 11,60 €, madame, 11,60 €, hop, je tape, voilà, hop. Vous êtes débité, vous êtes contente? Reviendez quand vous voulez. Bonjour. Bon, nous avons des chocs qui piquent et du pain de mie hein, pour l'instant, d'accord? Soyez pas trop exigeants. Voilà. Hop. Alors, tac, tac. 11,60 €. Tac, tac, tac.
Que du pain de mie pour un petit chaud qui pique, non? Non. Non. Ah, et puis monsieur ne prend que des chocs qui piquent et monsieur paye avec un billet de 100. Bravo, bravo. Casse-toi de là. Ouais, ça. On a un peu de produits. On va aller acheter des pâtes. Voilà, des pâtes. Acheter des pâtes. Voilà. Oui, bah ça va, j'arrive. Hein. Commencez pas à vous impatienter, surtout pour un pain de mie. Ça va, t'aurais pu prendre des chocs qui piquent. Hein? Mais non, monsieur veut que du pain de mie. Voilà. Tiens. Bonjour madame. Eh madame, que du pain de mie. Eh vas-y. T'as pas de monnaie? Hein? Voilà, tiens, allez. À crever en enfer. Allez, des pâtes. Chou qui pique, chou machin. Les pâtes, je vais les mettre là. Voilà. Hop. Voilà. Bonjour, monsieur. Allez, on a reçu des panzani, hein. Elles sont toutes neuves, hein. J'ai pas encore fait le prix, hein. Allez, des chocs qui piquent pour monsieur, paf. Allez, je vous dois 13 balles, tac. Tac, ah merde, j'ai oublié un billet, hein. Tenez. Bienvenue, messieurs, dames, attendez, je fais le prix des pâtes, les gars. Alors, on va mettre à 4,65, merde. 4,65, voilà, paf, hop, les pâtes, c'est bon. Bonjour, hop, des chocs qui piquent, hop, monsieur, 6,95, paf, ils sont pas chiants ces clients pour l'instant, voilà, ils aiment le choc qui pique, je vous ai déjà vu tout à l'heure, vous avez déjà bouffé tous les chocs qui piquent, hein. Mais dites donc monsieur, prenez-en des paquets, hein, allez-y, hein. Alors, du pain de mie, je vais recommander du pain de mie. Alors, pain de mie et un petit sucre en poudre. Vas-y, un petit sucre en poudre et de la farine. Voilà. Bon, oui, bonjour. Des chocs qui piquent, pas de soucis, monsieur. Hop. Allez, je vous dois 13 balles. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. Allez, je vais aller mettre mes produits en rayon, moi. C'est pas le tout, mais il faut que je travaille, hein. Hop, allez-y, monsieur, on vient de recevoir de la farine, vous allez voir, elle est excellente. Oui, j'arrive. Ah non, monsieur. Monsieur ne veut pas acheter. Vous êtes en train de vendre sans fixer de... Oui, bah. Oh. Ça va, c'est pas gratuit non plus. C'est 4,80. Tac. Attendez, les gars, parce que là, vous êtes en train de m'arnaquer, là. Et j'aime pas trop ça de me faire arnaquer. 5,90. Voilà, ça va te faire tout drôle, toi, à la caisse, mon petit pète. Ah oui, d'accord, ok. Toi, t'es un petit malin, toi. Hein. Allez, casse-toi. Ah oui, ah, les petits malins. Hein. Ça achète de la farine, hein, parce que ça m'arnaque. Hein. Hop. Je suis un con. Putain, j'ai pas le temps de remettre en rayon, vous me faites chier. C'est quoi, les céréales, les chocs qui piquent, ils sont trop chers. Tu vas être fou de ma gueule, toi. Pour l'instant, tout le monde a pris des chocs qui piquent, y a personne qui m'a fait chier, toi tu me fais chier, toi. Genre, c'est trop cher. Tu t'es cru où, toi? Du coup, il a pas pris des chocs qui piquent. Bah, bravo. Bravo. Donc monsieur a trouvé les chocs qui piquent trop cher. Vas-y. Hop, on va les baisser un peu alors.
75, voilà. Et c'est bon, la farine est trop chère, quoi. Bon, tu te fous de ma gueule, la farine elle est trop chère. On va mettre à 4, 4,60, voilà. Hop. Voilà. Attendez, je vais allumer la lumière, les gars, parce que. Ah, ça sera mieux. T'as pris des chocs qui piquent? Très bien. Je vais bientôt plus pouvoir commander. Moi, je commanderai demain. Alors, voyons un peu ce qu'on a là. Donc, on a les. Ouais, ok, nickel. Voilà, fais-toi plaisir. Petit pain de mie avec? Non. Pourquoi elle est partie, elle? Alors, j'organise mes rayons, moi. Ah, le sucre en poudre est trop cher, attendez. Voilà, vous êtes super chiant hein, aujourd'hui, messieurs. Donc le hop, on va le mettre à 4,65,60. Voilà. Ça allait mieux, monsieur. Hop. Tac. C'est pas une bonne journée, hein, mais bon. Hop. Bah, je sais. Bon, allez. Donc là, le sucre en poudre, ça marche quand même. Donc il nous faut du sucre en poudre. Sucre en poudre, du pain de mie, choc à pique, de l'huile. Et ça, voilà. Tac, tac. Là, c'est la farine. Du coup, bah, la farine, je vais la mettre là. Voilà. L'huile ici. Les chocs qui piquent, on va les laisser là-haut. Merde, la farine, putain, j'ai jeté le truc de farine, fais chier. Chier, j'ai jeté le truc de farine. Je peux pas déplacer cette farine-là du coup. Merde, je peux pas déplacer le truc de farine, c'est pas là. Je recommande vite fait de la farine. Est-ce que je peux vous recommander? Ouais. Farine. Je sais plus si j'ai commandé des pâtes déjà. Putain. Non, il me refaut des pâtes après. Salut! Donc la farine, on va la mettre là. Voilà, celle-là, on va la ranger là. Hop, ici. Je peux fermer le carton. Alors, ouais. Donc là, tac. On n'a plus grand-chose en thune. On va ouvrir. On va vendre ce qu'il y a là. Et puis voilà. Merde. L'huile. J'ai oublié de fixer le prix de l'huile. Putain. 5,65 euros. Allez, est-ce que lui il va trouver les prix que c'est bon ou il va nous faire un petit caca nerveux, c'est trop cher. Monsieur aime les chocs qui piquent. Monsieur veut faire un petit gâteau.
Allez, ma petite dame. Sont les chocs qui piquent et le pain de mie. Ah, quoi que là, elle a pris du sucre. Tac, tac. Tac, 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 tac. Les panzanis sont trop chers. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On va les mettre à 4,45 alors. Hop. Allez, je baisse petit à petit. Hein. On veut faire le maximum de profit. Ah, enfin quelqu'un qui me prend de l'huile. Hein. Ça fait plaisir, monsieur. Hein. Vous auriez pu en prendre une dizaine. Hein. Et voilà, monsieur. Acheter une licence, ouais, j'ai pas encore les sous pour acheter une licence. Les licences, ça coûte cher. Coûte 200 balles une licence. Oui? Ah bah ouais, bah j'y peux rien. Je sais pas où c'est qu'ils sont les autres, mon chéri. Ouais, vous allez essayer sur la télé, sur le lecteur Blu-ray. DVD. Et ben non, en branchant le disque dur sur le lecteur de DVD, justement. Ouais. Et hop, madame prend des chocs qui piquent. 6,75. 6,75 € ça coûte les chocs qui piquent. Et ça va, monsieur, je vous ai vu. Voilà. Vous aimez bien venir dans mon petit magasin. Hein. Ah, il fait beau, il fait bon vivre. Hein. Je suis pas cher en plus. Hein. Salut, bonjour madame. Et hop, un petit paquet de Chokipic, des petits panzani, pas de problème. Des panzati, ah oui, excusez-moi, c'est des panzati, oui. 8 euros, alors 5, 6, 7, 8 et 80 centimes. Donc 50 qui font 75 qui font 80. Et bonne journée madame, merci d'avoir choisi Escrow Market. Bonjour! Je remplis le rayon. Où c'est qu'il y a les produits? Oui, bonjour, bonjour. Hop, un petit peu de sucre en poudre. Ah merde, c'est vrai, c'est de la. Ah putain, ça va, tu fais pas chier, toi aussi. Toujours des gros billets. Voilà. Tac, tac, tac. Hop, sucre en poudre, allez, pouf. Bonne journée, monsieur, dame. Hop, petit sucre en poudre, hop, par carte, pas de problème, ça vous fera 5,60. Paf. Ah, maintenant tu veux des chocs à pique, hein? Tiens, voilà, tu veux des chocs qui piquent, hop. Hop, et la prochaine fois que tu viens, essaye de faire de la monnaie, s'il te plaît, hein? Je sais pas que ça en foutre. Voilà, bonne journée. Petit pain de mie, monsieur. Ouais, hein. On va se faire des tartines. Pas de souci. Mon fils Benjamin, il aime bien les tartines aussi. Hein. Voilà, bonne journée. Quoi? Bah si, je remplirai après. Pour acheter les licences, pour l'instant, je vais pas l'acheter. Je vais l'acheter après. Je veux faire un peu d'argent. Et j'achèterai la licence après parce que c'est après il va falloir acheter les produits, un frigo et tout ça. Parce que les licences de quoi, les pâtes sont trop chères. Oui, désolé, monsieur, je vais changer de prix. Hein.
Et ça vous fait 4,65. Hein. Allez, bonne soirée, monsieur. Hop, on allume la lumière. Donc les pattes, vous les trouvez trop chères. Bon. Alors, on va faire un autre truc. Hein. On va faire un 4,25. Hop, voilà. C'est bon, toi, tu trouves ton bonheur. Tac, tac, tac. Petite huile, petite farine. Alors, on va se faire des crêpes, c'est ça? Hop, voilà. Ouais, lui, il est trop cher maintenant. Oh putain. Attendez. Oui, j'arrive. Donc, on va faire 5,35. Voilà. Hop. Oui, c'est mon premier magasin, monsieur. Je suis désolé, hein. Bien sûr. Nous avons ajusté les prix, hein, madame. Pareil, hein, désolé hein, pour l'huile, mais. Alors, on va ajuster les prix, merde. C'est de la... Je suis un peu perdu. Tac, tac, petit pain de mie en espèces. Voilà, vous voulez 70 centimes? Pas de souci, tac, tac. Voilà, madame. C'est normal, c'est dans mon casque. Bonsoir, madame. Petite farine, un petit peu d'huile avec la farine. Non, juste la farine. Pas de souci, par carte. Ça vous fera 4,60, madame. Ah oui, bah qu'est-ce que j'y fasse, Benjamin? Moi, à un moment. Oui, bah sinon, faut regarder autre chose et puis c'est tout. Oui, bah moi, j'ai pas le temps de prendre la Xbox, de la brancher là-haut et tout ça. Et mon disque dur, il marche sur la Xbox. Mon disque dur, il marche sur la Xbox. Donc. On va faire du chiffre, je vais faire monter le chiffre avant de d'acheter des licences de produits pour l'instant. Bah quoi que je vais être obligé, hein, je vais pas avoir le choix. Parce que si je fais ça, le problème c'est que la licence est 200 boules. C'est 200 boules, mais si je fais ça, que je fais hop, des fournitures, un frigo, c'est 200 boules un frigo. Donc ça fait 400 boules. Hein. J'ai pas 400 boules, donc ça sert à rien d'avoir des produits. Ouais, il faut que je termine ma journée déjà. Alors, le pain de mie, les chocs qui piquent, le susu, ok. Donc les chocs qui piquent, le prix est remonté. Prix du marché, 7. Ah ouais. Donc, on va mettre à 8,75. Le pain de mie, hop, on va mettre... Voilà. Les panzizi, ça n'a pas bouché, ça. Non, c'est bon. Ouais, on va rester comme ça. La farine, hop, on est très bien. L'huile. Attendez, l'huile, hop. L'huile, hop, on va descendre un petit peu. On va mettre 4,85. La farine, on a déjà touché. Le sucre. Le sucre, on va pouvoir mettre 6,60. Voilà, tac, voilà, voilà, tout a été fait. Ok, donc maintenant on va acheter la licence quand même. Allez, on va acheter la licence de produit parce que sinon elle va nous faire chier. Gestion, licence de produit, paf, voilà. Et ensuite, on fait ça. On va acheter des produits. On va acheter putain, du café, c'est trop. Je vais acheter du café. Je peux pas acheter grand chose de plus. Je peux peut-être. Non, les chocs à pic, j'ai trop. Donc, il me reste 50. Voilà, je sais pas. Il faut que ça soit moins de 10 euros. Donc, je pense que je vais reprendre des. Je vais reprendre des Panzizi. Hop, voilà. Il nous reste 3 balles. On est super pauvres maintenant. Bravo. C'est du café. Ça, le café, je sais que ça va rapporter quand même pas mal. Donc, ça va nous aider. C'est pour ça que j'ai dépensé. Prix du marché 10,48. Nous, on va mettre à 12.
0,5, voilà. Paf. Essayer de se faire un max de thunes sur le machin. Tac. Hop, on ouvre. Ça, c'est quoi ça? C'est du pain de mie, il en reste. Bah, je range mieux. Voilà. Hop, voilà, on va attendre les clients. Bah, les Chokipic, j'ai pas assez de sous pour l'instant pour en racheter. Il me reste 3 euros, donc je peux pas acheter des Chokipic pour l'instant. Ouais. Quand on aura vendu un petit peu de trucs, là, on pourra acheter des Chokipic. La dame paraît qu'elle va acheter du sucre. Voilà. Petite bouteille d'huile, tranquille. Voilà, bonjour madame. Tac, tac. Voilà. Bonjour madame, des petits panzetti. Ok. Des Chokipics, c'est... Ah, vous avez de la chance, c'était les derniers. Faut que je recommande, oui. Hop, je reviens, je vais recommander des Chokipic. Chokipic, j'ai pas assez, évidemment. J'ai pas assez pour acheter des Chokipic. Faut que je fasse encore des sous. Hop, alors, 30 centimes. Est-ce que je lui devais? Ah, normalement, après ce client, peut-être qu'on aura de quoi acheter des Chokipic. J'ai plus beaucoup d'huile, hein. Allez, je vais acheter des Chokipic, les gars. Hop, ça y est, j'ai acheté des Chokipic. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, j'ai pas vu ce qu'il avait dit. Peut-être qu'il voulait des Chokipic, mais qu'il n'y en avait plus. Tac, tac. Il voulait peut-être des Chokipic. Hop, voilà, ils sont arrivés, les Chokipic. Voilà. Donc là, il nous faudrait de l'huile. De l'huile. Hop. J'arrive en... C'est quoi? Les pâtes sont trop chères. Ah, bah attendez, je vais faire un... Je vais... Alors, 4,05. Voilà. Tac. Fait du pain. Après du pain de mie. Tac, 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 tac. C'est le dernier? Ah, voilà, ça c'est bien ça. Les gens qui m'achètent du café, ça c'est très bien. Un magasin? Ouais. C'est mon magasin, moi. En fait, c'est mon magasin. Donc là, il nous faut... De l'huile. Non, on en avait commandé de l'huile déjà. On avait commandé de l'huile. Il nous faut... Je vais leur mettre de l'huile en rayon. J'arrive. Bonjour. Alors, je vous dois 64, 60. Merde. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Par carte, pas de problème. Ça, j'aime bien vendre du café. Ça renfloue bien les caisses, ça. C'est ce qui coûte le plus cher. Oh, bah, dis donc, vous avez fait des grosses courses, monsieur. Mais ça fait plaisir. Mais allez, se fait plaisir sur les choux qui piquent, ma petite dame, hein? Oui. Combien les choux capi? 8,75 les choux capiques, ça vaut.
Alors voyons. Donc là, il nous refaut du café. Putain. Il nous refaut du café. Attends. Ouais. Attends. Il y en a quand même place. Ouais. J'appuie la poubelle. J'arrive, j'arrive. C'est quoi qui est trop cher, l'huile? Ok, on va voir ça après, ma petite dame. L'huile est un peu trop chère, pas de souci. Je vais la baisser un tout petit peu. 4,75, voilà. Hop, hop. Voilà, on sera mieux avec la lumière. Hein. Tac, tac, tac. Voilà, du café. Impeccable. C'est le monsieur. C'est bon, j'ai tout rangé, impeccable. J'arrive, des petites panzati, ma petite dame. Voilà. Ah putain. Encore une qui paye avec des gros billets. Merde. Hop. 95. Ouais. Je n'ai pas trouvé de bouteille d'eau. Il y en aura, vous inquiétez pas, bientôt. Tac, tac. Tac, tac. J'ai pas trouvé d'œuf. Oui, bah, il y a un moment. On peut pas tout avoir, hein. Tiens, je vais commander je vais commander un frigo, moi. Je vais commander un frigo. Voilà. 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 Hop. Bonjour. Hop. Les Chokipics sont trop chers, madame. Mais... Merci de me l'avoir dit. Hein. Ouais, d'accord. Tu fais chier pour tout ça, pour nous faire chier avec ça, quoi. Merde. Ok, bon, vas-y, tiens, je te donne. Vas-y, je perds un petit peu d'argent, mais c'est pas grave. Ça me saoule. Hop, voilà, 80 centimes, 50. 15, 80. Hop. Hop, 40 centimes. Alors, tac, 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 tac. Acheter des produits, c'est pas le tout d'avoir acheté le frigo. Mais pour l'instant, j'ai personne qui m'a dit que le café était trop cher. Peut-être leur montée de café. Que leur monter le café un petit peu. Et à 12, 12, je vais le mettre à 12, 12,55. Attends, je vais placer mon frigo. J'ai reçu mon frigo. Ah. À combien? Produit trouvé trop cher, 10. Putain, c'est. Là, on est un peu dans le mal niveau budget, mais on va se rattraper. On va se rattraper. Oui. Alors, thé noir, ça coûte cher, mais il en faut. Faut du lait. Des packs d'œufs. Du fromage. Et des bouteilles d'eau. Faut de la. Ah non, les bouteilles d'eau, c'est trop. Bouteille d'eau pour l'instant, je les enlève. Ok, des Chokipics. C'est trop cher. On n'a pas assez pour acheter des Chokipics. Je vais déjà acheter ça. Il me reste 7 balles. C'est déjà bien. Hop. Donc, on va mettre le fromage ici. Ouais. Les œufs, je vais les mettre là. Attention, hein. Là, ça, le lait, je vais le mettre là-haut. Hop, voilà.
Hop, il en reste un peu dans le carton. Hop, le thé. Très bien, le thé, je vais le mettre là. Alors, faut que je fasse les prix. Donc, le thé noir, il est à 5. Je vais le mettre à 6, 6,65. Ensuite, ça, là, on est bon. Le café, je vais voir si je peux pas gratter un. Ah non, c'est trop cher le café. Bon, là, on est très bien. Là, on est très bien. Là, tous les prix sont faits. Faut que je fasse les prix ici. Le lait, ils vendent 2,40 €. Nous, on va le vendre 3,75 €. Ouais. Le fromage, on va le vendre 4,90 €. Voilà. Sans les gens, ils vont dire hein, si c'est trop cher ou pas. Là, on va le vendre 5,02 €. Voilà. Tac. Et puis bah là, on est bien. Hop, on ouvre le magasin. Bon, il manque des produits, il n'y a plus beaucoup, mais bon, on fait avec le budget. Salut mon Groot, comment ça va? Il n'y a pas encore de whisky, il y a de la tequila et tout, mais j'ai pas encore le niveau. Je suis pas la licence 4, Groot. Comment vas-tu? Viens faire coucou vite faire Groot. Tu fais coucou. Vas-y. Bon. Bonjour. Venez, monsieur. Venez à Escro Market. Merde. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Escro Market. Bon, ça va, tranquille, tranquille. Un petit peu la folie, là, en ce moment, là. Les travaux à la maison. Hop, hop, bonjour, monsieur. Voilà, merci, monsieur. Oh, 62 €, ça va. Hop. Tac. Bonjour monsieur. Hop, petit T1, ça fait plaisir, je viens de les recevoir, ils sont tout neufs. Ah merde, si je te mets à 700 balles, hein, tu vas pas aimer. Non, ça fait 13,30 € mon vieux, vas-y. Tac, 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 voilà. Bonne journée à vous. Du coup, ah, il nous faut du café. Putain, il nous faut du café. Faut que j'aille racheter du café. C'est important le café, ouais. Hop là, il me reste plus que 28 centimes dans les caisses. Allez, 12,55. Tac. Je n'ai pas trouvé de café. Oui, bah je viens d'en acheter, hein, ne vous inquiétez pas. Petit pain de mie, madame. Pas de soucis. Hop. Alors, j'ai reçu mon café normalement. Hop, voilà. Je remets du café en rayon. Voilà. Là, ça a l'air fou là, je regardais là. Bon, je serais pas dessus, mais le truc de Nolocha là qu'ils ont fait. Et ça a l'air d'être la folie quand même. La farine est trop chère. Ah, bougez pas, j'arrive. La farine est trop chère, pas de souci. À la place de 4,60, on va la mettre à 4,50. Voilà. Tu. Hop. Ah bon. Ouais non, franchement, ça a l'air d'être la folie ce qu'ils ont fait. Merci. Ah, on commence à avoir un petit peu de sous. Alors, ah, il nous manque quoi? Ah, on n'a plus de pain de mie, Benjamin. On n'a plus de pain de mie. Vite, faut commander du pain de mie. Ouais, parce que les gens, ils adorent le pain de mie. Je m'en sortais mieux hier soir quand j'ai testé le jeu quand même. J'ai pas trouvé de pain de mie. Oui, bah je sais, il est là, il est devant la boutique. Là, t'auras attendu 2 secondes là. Il y a du pain de mie, regardez. Voilà, il y a du pain de mie. Hop là, allez, go, 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 go. On y va, tac. Bonjour madame, des chocs qui piquent, hop. Petit thé noir, très bien.
Moi, ça me plaît, ça. Voilà. Allez, bonne journée. Je n'ai pas trouvé. Ah, haute bouteille d'eau. Oui, bah. On ne peut pas tout faire, hein, madame. Hein. La vérité, tu me fais chier. Hein. Tiens, je vais acheter des bouteilles d'eau. Hop là, voilà, des bouteilles d'eau. Hop, hop. Ping. Hop, bonjour, madame. Tac, tac, tac. Oh, le thé noir. J'adore quand vous achetez du thé noir. Ça me rend flou les caisses. J'adore tellement. Voilà, merci. Bougez pas, monsieur, j'arrive. Hop, j'ai reçu ma petite bouteille d'eau. Les œufs sont trop chers, monsieur. Il y a un moment. La merde non plus. Oui, bah ça va. Hein. Attendez, je jette mon carton 2 secondes. Et je rechange le prix des œufs. Voilà. 4 euros. 85, voilà. Paf. J'arrive, putain, c'est la folie. Ça y est, il y a du monde. Hop. Alors, 66, tac, 15, tac, 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 jour, hop là, petite carte, ok, ouais, va débouger, ouais, ça. Bonjour madame, oula, votre coiffeur, il vous a raté madame. Voilà. Vous avez pensé à porter plainte contre lui? Ah, non. Bonjour. Tac, tac, tac. Allez, hop, par carte impeccable. 41, 45. Hop. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Hein, je vais allumer la lumière. Voilà. Alors, vous êtes en train de vous vendre. Merde, je vends un produit. J'ai pas mis de prix. Putain, l'eau. Vite. 3,80 euros. C'est ce que j'aime dire. Putain. Je vais être aperté. L'autre, il a choisi une bouteille d'eau, évidemment. Je suis sûr qu'il a pris une bouteille d'eau. Qui d'autre? Ouais. Regarde, tu vois, il a choisi une bouteille d'eau. J'ai envie de lui jeter dans la gueule. N'ai pas trouvé de Chokipic. Oui, bah les Chokipic, on en reçoit demain. Bonhomme. Voilà. Quoi, c'est trop cher encore les œufs? Oh putain, vous faites chier. Oh merde. Le jeu a bugué, putain. Le jeu a crash. Non, c'est bon. Bienvenue. J'arrive. 4,62 euros. Voilà. J'arrive, ma petite dame. Bonjour. Ah, bah, dis donc, vous avez fait des courses là, c'est bien. Hop là. Le fromage est trop cher? Pas de souci, madame. J'arrive. Fromage trop cher? On baisse un peu le prix. Hop. Hop, voilà. Bonjour. Hop, un petit peu d'huile, pas de souci. Ce sera pas clair. Pas trouvé de Chokipic. Oui, on en reçoit demain des Chokipic, monsieur. Tac, tac. N'hésitez pas à repasser demain aussi, vous aussi, hein, si vous voulez des Chokipic. C'est demain. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? C'est bon, le fromage, il ne trouve pas trop cher. Le lait, personne ne m'a dit qu'il était trop cher, donc je vais peut-être pouvoir augmenter le prix. Il veut un petit peu de ça. Ok, impeccable. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ah là, je liquide, hein, je liquide. Bah, il fait quoi? Il est venu me voir, mais comme moi, j'ai pas de solution pour le disque dur, et il reste là pour l'instant. La bouteille d'eau est trop chère, d'accord. Donc là, pour l'instant, bah, il est scotché à côté de moi, il bouge pas. Tu veux pas aller regarder un truc avec Bérénice, toi? Ou tu vas rester avec moi? Oui, d'accord. Donc tu regardes le jeu avec moi, c'est ça? Oui, bah je pourrais pas le faire marcher, moi. Hein. J'ai pas le temps, Benjamin. Donc si tu veux regarder autre chose avec Bérénice, tu vas la voir. Sinon, tu restes avec moi. Moi, je dis à Bérénice que elle peut, comment dire, elle peut regarder quelque chose toute seule. De quoi? Là, je l'ai fermé, là.
Là, c'est une nouvelle journée qui commence. Donc, il faudrait qu'on achète une nouvelle section. Mais on s'en fout de la nouvelle section. Là, je vais surtout acheter du produit. Donc, il nous faut des chocs qui piquent, du pain de mie, de la farine, ça. Ça. Ah, j'ai atteint le max. Bon, vas-y. Voilà, on a dépensé sans compter. Voilà, on a acheté plein de trucs. Regardez, vous jetez ça sur la route. C'est n'importe quoi. Alors, on va profiter pour réorganiser le magasin. Tac, ça c'est quoi ça? Évidemment, c'est pas ça que je voulais, mais bon. Donc le comté, tac, tac, ok, le comté, il s'est pas beaucoup vendu. Bon, ici, on va mettre le comté. Bah, je range Benjamin. Ah, voilà, le café, ça c'est intéressant. Donc le café, tac, 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 tac. Oui, c'était en dessous, oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, on va le mettre là. Bouteille d'eau, tac, 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 voilà, on n'en manque pas énorme, mais on aura un petit stock quand même de bouteilles d'eau, voilà. Ensuite, le thé noir, j'en ai recommandé normalement, si je dis pas de conneries. Ça, c'est de l'huile. Papa qui a fait ça. Bah, il a mis son calme et... Et je crois que c'est dans ça qu'il veut. Donc là, ça, là, ici, on va mettre les chocs qui piquent. Donc la farine, on va la mettre là. Quoi ça? On n'est pas avec un truc qui est trop. Les chocs qui piquent au-dessus du pain de mie. Bah, des choux qui piquent. J'adore les choux qui piquent. Alors voilà, donc là, il nous faut du thé noir et du café. Là, ça serait bien thé noir et café. Et j'ai plus d'argent. Voilà. Ça ira. Alors, le thé noir, le thé noir, le thé noir, le thé noir, j'ai dit que ça allait être là. Bah, pour l'instant, je vais faire ça. Ah. Où, madame? Hein? Ok, donc on aura un petit peu de café là. Okay. On aura un peu de café en réserve. Hein, c'est pas grand-chose, mais bon. Donc maintenant, je ramasse ça. Et je vais le remettre bien ici. Voilà, impeccable, je trouve que c'est pas mal là. Le sucre ici. On va vérifier les prix pour voir. On dit 3,12. On va mettre 4,25. Le café Narvalo, 10, 12,55. Je pense qu'on peut mettre à 65. Ça c'est très bien le prix. Les chocs qui piquent, ça part comme des petits pains. On va mettre à 8,85. Le pain de mie. Le pain de mie, on va pouvoir mettre 85. Voilà, on grappille des centimes.
Ça c'est très bien comme ça. Hop, on va vérifier les prix de là. Ça c'est très bien. On m'achète très bien. Les œufs. Les œufs, je peux les remonter quand même un peu. 112. Bouteille d'eau, 3,60 quand même. Hein, ça fait cher la bouteille d'eau. Hop. Oh, bah écoutez, voilà, on va ouvrir. Hein. Hop, voilà. Allumez la lumière, comme ça sera fait pour ça. Acheter une nouvelle section. Ah, pour l'instant, j'ai pas besoin de nouvelle section. J'ai besoin de fric. Ben, je cherche, je regarde, mais on ne retrouve pas ça, tout à fait. Non, mais on ne me demande pas, c'est dans des cartons. J'ai pas allé fouiller dans des cartons. Là, maintenant. Salut Fabienne, comment vas-tu? Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à Escrow Market, ma petite dame. Hop, un peu de farine, pas de soucis, ma petite dame. Paf, paf, 9 euros, ça vous fera. Hop, voilà. Petite dame, c'est plaisir sur les Panzati, hein. Et oui, les Panzati, c'est bon, madame. Hein. Alors, je vous dois 40 centimes. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui est parti et qui n'était pas. J'ai acheté plein de choses qui piquent, faut venir me les acheter, les gars. Bonjour monsieur, petite tuile, hein. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Tu vas nous prendre des œufs, non? Le lait est trop cher. Ah, attendez, on va régler ça. Pas 75, c'est trop cher. Donc, on va mettre 67. Voilà. Toi, tu as trouvé que le fromage était trop cher? Pas de souci. On va mettre à 60. Voilà. Hop, j'arrive. Bouteille de lait trop chère. Putain, ouais. Donc la bouteille de lait est trop chère. On va la redescendre un petit peu. On va la mettre à 62. Voilà. Il a fait un fromage. Tac, tac, tac. Tac, 21,95, monsieur. Hop, hop. Du thé noir et des œufs, impeccable, super bon choix. Vous faites 22,74, hop, hop. Voilà. Et bienvenue, hein, bienvenue sur Escrow Market, les gens. Ah, toi, t'es un bon client, toi. Qui? 58,65, voilà. Ouf. Et toi? Hop, et après un petit comté, tranquille. 3,60, voilà. Putain, ça coûte combien le truc? Attends, faut que j'aille voir combien ça coûte la section. La section, elle coûte combien? 200 balles, ok. 200 balles la section. Les plats encore. Le comté, ça, je sais qu'il y en a besoin. Voilà, non, mais bon. Faut que ça soit toujours rempli. Hop. La bouteille d'eau est trop chère, le fromage est trop cher. Ok. Alors, à 52 et le fromage est trop cher. Ok. Pas de souci, je vais le mettre à 4,50. Comme ça va vous plaire, ça va vous faire plaisir. Alors, il y en a qui achètent, il y en a qui achètent pas, mais j'essaye de contenter tout le monde. Ouais, mais stop. Espèce.
Tac, 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 tac. Personne ne m'achète de café, dites donc. Coca-mère. Bois. Voilà, on gagne des sous. Je vais aller acheter ma nouvelle section. Ouais, ça va arriver. Les pâtes sont trop chères pour vous, monsieur. Pas de souci. Hein? Ouais. Le pain de mie est trop cher pour toi. Je vais le descendre un petit peu, c'est pas un souci. Voilà. Voilà. Petit café, monsieur, pas de souci. Petit sucre, hop. N'ai pas trouvé de pâte, ouais, il manque des pâtes, ouais. Je sais. Exactement ce que je te dis en fait. Oui, bah oui. On va recommander des pâtes avant que ça soit fermé. Des pâtes, tac, tac. Donc ça c'est bon. Mais qu'est-ce que Il nous faut quoi? De la farine, on en a, je crois. Non, on n'en a plus de la farine. Vite avant que ça ferme. Ah, parce que ça va bientôt fermer truc de des fournisseurs. Non. C'est combien? 96, ok. d'eau. Ça va, on ne voit rien. Attendez, je vais aller chercher. Ah non, les paquets, non. Je vais vous encaisser, ma petite dame. La farine est trop chère. Ah bon? Oh, excusez-moi, ma petite dame. Hop, hop. Ah, moi, je baisse vraiment de centime en centime. Hein. Je vais faire le maximum de profit. Tac, 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 tac. Tac. Putain, encore un con qui paye avec des. Hop. Pas trouvé de farine. Oui, bon, ça va, tranquille, quoi. C'est quoi ça? C'est des bottes? Les pâtes, elles étaient où déjà? Là-haut, je crois. On avait mis les pâtes là. C'est quoi ça? La farine, on l'avait mise là. Donc, je vais pouvoir fermer le magasin après. Parce qu'il est l'heure de fermer. Personne ne va venir à cette heure-là. Hop. Achetez une nouvelle section à l'aide de votre ordinateur. Ben ça y est, je l'ai acheté, tu te fous de ma tronche ou quoi? Bon alors, qu'est-ce qu'on a fait? Produits non trouvés 2, produits non trouvés trop cher 15. Putain la vache. C'est horrible. C'est bon, on est passé à la nuit là. Alors, ben, il y a les choux qui piquent qui ont augmenté. Les choux qui piquent qui ont augmenté. Donc on va mettre à 9,65 euros. Voilà. Qu'est-ce qui a augmenté encore? 4,15. Bon, on va laisser ça comme ça. Ça, on va laisser ça comme ça. Ça, comme ça. Là. Ici, il reste pas assez longtemps le message, je trouve.
J'ai pas tout vu ce qui était. C'était comment dire, ce qu'avait changé les prix, j'ai pas eu le temps de tout voir. Pourquoi acheter une nouvelle section à la DO pour agrandir le magasin? Je l'ai fait, j'ai pas assez de produits, tu. Oh, ça va ou comment ça se passe? Le lait, on n'en vend pas beaucoup, hein, par contre, hein. J'ai remarqué. Le fromage, il en manque deux. Ah non, le lait, il m'en reste plein. Bon, commander. Du café Narvalo. Hop. J'ai pas assez de produits, donc t'es mignon, mais on va acheter une licence produit avant. Combien c'est les licences? Alors, licence produit, la prochaine, putain, c'est 400 balles la prochaine licence. Ah, vache. Bon. Alors, faisons un récap. Donc, il nous faudrait du café encore. Du café, ça serait pas mal. Du sucre. Du sucre. Tac. Hop, on fait les courses. Là, je vais reprendre de l'huile. Alors, de l'huile, je vais reprendre, tiens, ça. Et du thé noir. Voilà. Non. J'en ai déjà d'avance, Benjamin. Moi, pas le délire, hein. Je vais pas acheter une autre section alors que j'ai déjà du mal à remplir celle-là, quoi. Voilà, je vais le mettre là pour faire plaisir, mais c'est tout, quoi. De toute façon, j'ai pas assez de produits. Et des Chocipic. On va mettre tout ce qui est en surplus ici, voilà. Comme ça va remplir un petit peu, ils vont être contents. Je vais garder les cartons quand même, parce que sinon je pourrais pas bouger les produits par la suite. Donc les cartons vides, je vais les mettre là. Voilà. Ça, c'est vide. Hop, voilà. Du coup, on a ça. Hop. Allez, on va rouvrir. Voilà. Attendez, qu'est-ce qu'il me reste comme produit par terre? Ah, c'est que des produits frais, à part le thé machin. Ok. Faut pas agrandir le magasin, ce qui casse les pieds, parce que bon. Regardez, j'ai des étagères vides, faut que je remplisse que des trucs comme ça, quoi. Alors, faut que j'achète plus de produits. Benjamin, je suis en train de m'étirer, là. Quoi? Ah, elle achète un peu de tout, voilà. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Pim. Bonjour, monsieur. L'eau est trop chère encore. Bon, 40. Ah, faut que je remette des œufs. Est-ce que j'ai encore des œufs? Ah non, j'ai plus de œufs. J'ai plus de neuf. Un demi est trop cher, en fait. Chier, sérieux.
Le pain de mie est trop cher. Là, je vais voir parce qu'avant de baisser, je vais baisser un tout petit peu, mais si c'est un client sur 10 qui me dit ça c'est trop cher, je vais pas me casser la tête. Voilà. Le comté est trop cher pour toi. Pas de soucis. Alors, tac, 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 tac. Allez, faites vos courses. Il a pris du chocapic, l'autre? Arrête parce que sinon je te vire, Benjamin. Hop, hop, hop. Hop. Hop, 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 voilà. La bouteille d'eau est trop chère encore. C'est pas cher, 3,40 € c'est donné pour une bouteille d'eau. 3,35 €. Hop. 43,39 €. Hop, impeccable, pas de monnaie. Il faut acheter du café. Le café, c'est le plus rentable, les gars. Ils achètent du café. Les Chocapics sont trop chers, pas de soucis. Hop, hop. Tac, 60. Bon, après, je vais pas faire à chaque fois que quelqu'un trouve trop cher, hein, parce que bon, il y en a. En 9 906 j'ai pas le temps de voir tout ce qui je n'ai pas trouvé de bouteille de lait. Ah oui, plus de bouteille de lait. Ça c'est normalement j'en ai. Une bouteille d'eau par carte, ça va, tranquille. Hop, hop. 41, 20. Bah vache, c'est trop long. Voilà, 1, 2, 3. Et 40. Excusez-moi, monsieur, dame, il faut que j'aille remplir des trucs. Voilà, et j'arrive, j'arrive. Vous inquiétez pas, j'arrive. Hop, le lait. Voilà. J'arrive, 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 j'arrive. Vous impatientez pas. Alors, tac, tac, tac. J'ai même pas le temps d'aller allumer ma lumière, quoi. J'arrive. Le bordel quand même. Mais il est trop cher, attendez.
Hop là. Un demi pour trop cher. Hop, on va le rebaisser un petit peu. Tac. Écoutez, ma petite dame. Ces cartes. 8. 60. On a fait quand même une bonne journée. Hein. On a 600 balles dans les caisses. On va bientôt fermer. Ah, c'est chiant, les ajustements de prix. Ah, je suis au maximum gourmand. Après, il faudra peut-être que je sois un peu moins gourmand. J'essaie de faire en sorte que les marges soient au max. Le sucre en poudre, le sucre en poudre a augmenté. Ok. Ok, bon, je vais le laisser comme ça. Le profit est très bon. Putain, je vais aller lui acheter son étagère parce qu'il va me casser les couilles. Une section de plus. Pas acheter un gros réfrigérateur si. Parce que c'est. Ouais, j'ai envie de dire, on peut pas. Hein. Non, je vais pas acheter ça. Bah, quoique 200. Non, 200 contre 300. 75. J'en aurais besoin de toute façon d'un gros frigo après. Quoi ça, j'ai commandé quoi? De l'huile? J'avais pas ramassé. Bon alors voyons. Il nous faut des cartons là. Alors on va arrêter de rigoler. Maintenant les bouteilles d'eau. On va changer le frigo là. Ah ouais, mais non. Je regarde quelque chose. Est-ce que je vais pouvoir le poser genre comme ça quoi? Non mais je vais perdre vachement ici. Si je perds, je vais perdre ça en fait. Ouais non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Hop, voilà, on va organiser un peu tout ça. Le compter, hop, on va pouvoir doubler les trucs. Je peux acheter la poubelle, ça. Je ne sais pas ce que c'est, pardon. Je sais pas ce que c'est. Et puis ce que c'est le carton. Toute façon, là-dedans, il n'y a plus rien. Pas lui, c'est pas les pattes, c'est les chauds qui piquent. Ok,
Ouais. Allez, je vais virer les cartons, je vais refaire des commandes. Il va absolument que je lui achète une nouvelle section. Et bah ben non. Voilà, ce que je voulais, c'était un plus grand frigo. Dommage qu'on peut pas vendre les trucs qu'on a. Donc voilà, donc là il me refaut des œufs. Il me refaut des œufs. Donc des œufs. Il me refaut du café. Du sucre, de la farine. De la farine et il me faudrait du lait. Hop, du lait. Voilà. Pâtes, les choux qui piquent. Pourquoi j'ai des choux qui piquent là-bas? Ah oui, c'est ça, c'est le surplus, ça. Ok. Surplus, ça. Voilà, hop, c'est un paquet, voilà. Hop. Ça, il y aurait chez le voisin. Hop. Et encore du sucre. Hop, des œufs. Du café. Voilà, hop, et encore. Hop, voilà. Voilà, on est bon. S'il manquera un petit quelque chose là. Non, je qui pique, c'est bon. Tac, tac. On a le lait, le comté. Là, ici, c'est des bouteilles d'eau. Je vais en mettre. Ça sera fait. La prochaine licence, je rappelle qu'elle coûte quand même 400 boules. Hop, je fais une petite pause et je reviens, les gars. Je me sauvegarde. Hop. Je fais une petite pause. Je vais faire pipi, fumer une cigarette et je reviens. Voilà, tout de suite.
Bon, continuer. On a ouvert, c'est ça? Non, on n'a pas encore ouvert. Bon, bah là, on est bien. Merde. Là, je pense qu'on est bien. Je vais allumer la lumière quand même. Puis voilà. Il faut qu'on se fasse de la thune, faut qu'on ait. On dépense beaucoup d'argent hein, quand même. Hein. Allez, venez les gens, on a plein de trucs ici. Faudra que j'essaye aussi PC Simulator, là, voir ce que ça donne. Allez, viens, voilà. Oh, putain. Le café est trop cher. Le fromage est trop cher. Oh, putain. Hop là. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Alors, je t'attends 80. 1,90 €. Il n'y a pas full, hein, il n'y a pas full. Je pense qu'à mon avis, c'est par rapport à. Tant que j'ai pas acheté la section, il y aura moins de monde. Mais la section. Acheter une nouvelle section. Le pack d'œufs est trop cher. Ok. Ok, pas de soucis. Prenez votre temps, achetez plein de trucs. Voilà. Bonjour madame. Hop, 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 hop. On fera un total de 38,06. Hop, merci bien. Revenez quand vous voulez. Le fromage est encore trop cher. Oh, vous faites chier, sérieux. Vous voulez que je meure? Bon, ouais, ça. J'ai pas vu ce qu'elle a dit, elle. Un demi trop cher pour toi. Bah oui, bah t'as qu'à avoir de l'argent, puis c'est tout. Le fromage est encore trop cher. Vous rigolez, vous? Moi, j'ai encore trop cher. Quatre 0,5, voilà. Paf. Hop là. Tac. Tac. Ah oui, le pain de mie trop cher, c'est vrai. 5,20, hop. Les chocs qui piquent sont trop chers, ok. Alors, 5, 6, 6, 49. Ou change le prix des chocs qui piquent. Bah ça va, ça y est, c'est parti. Hop, on a du monde. Alors, 28 centimes, tac, tac, tac. Alors, les chocs qui piquent. Bouger un peu le prix. On va les mettre à 9,30. Voilà.
Hop. Alors voyons lui ce qu'il va me dire. C'est bon, tu trouves rien trop cher. Le café est trop cher? Bah, je sais pas, je vais descendre un peu le prix, monsieur. Hop. Bon, voilà. Bah est-ce qu'on a vendu de la farine, oui? Hop. Alors, la petite dame, un petit peu de sucre en poudre, voilà, vous avez raison. Hop, un petit peu de lait. Oui, je vous rentre dedans, monsieur, c'est pas. C'est convivial ici. Bien me frotter au client. Hop, voilà. Les Chokipix sont encore trop chers, ouais, je sais, je vais les baisser. C'est un petit peu les choux qui piquent. J'avoue que j'abuse un petit peu. Merde, il est 9 h, je peux plus rien acheter. J'attends demain matin. Faut que j'achète une licence. Je crois que je peux acheter une autre licence. Et faut que j'achète une nouvelle section parce que le jeu me le dit. Te compter, ça va être la fête ce soir. Hop, terminé la journée. Donc le fromage, le thé noir et la farine. Augmenter. Fromage et la farine. Le fromage et la farine a augmenté. Ok. Donc là, hop, 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 voilà. Du coup, alors, hop. Donc là, vous voulez, je vais voir les licences. Hein. Licence, non, allez, un petit peu trop. Là, beurre de cacahuète, farine. Ouais, voilà, j'ai acheté la licence. Voilà. Du coup, faut que j'achète. Ouais, non, j'ai plus assez pour acheter une autre étagère. Donc, ce produit, ok. On a du sel, du riz, des pâtes spaghetti, de l'huile d'olive, de la vraie farine, du beurre de cacahuète. Il nous faut quoi? Du café. Puis ça va être tout. Je te le dis, moi, beaucoup. Ah merde, c'est trop. Sur quoi on peut faire l'impasse? Ouais, sur. Ouais. Vas-y, je vais faire un passe sur ça. Voilà. Super, bravo, comment vous livrez? Pou, 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 pou. Bon, cacahuète, je vais mettre là.
Ah, les spaghettis, très bonne question. Les spaghettis, j'ai envie de les mettre là-haut. Ce qui veut dire faut que j'enlève le pain de mie. J'en ai pas commandé du pain de mie là. Non, je vais recommander du pain de mie juste pour avoir le carton. Vais recommander le pain de mie juste pour avoir le carton. C'est pas grave, je vais mettre là. Les spaghettis, je vais les mettre là. On a pas mal de nouveaux produits, donc ça va. Bien que je range, l'huile d'olive, on va la mettre à côté de l'huile. Il faut que je fasse les prix après, hein, faut pas que j'oublie. Super farine, moi je la mettrais bien là. Je vais recommander un petit sachet de farine là. Histoire d'avoir le carton. Hop, voilà, comme ça. Celle-là, je la mets à côté. La farine suprême. Peut-être du café. Ce serait pas mal d'avoir du café. Non, j'ai pas assez pour acheter du café. Bon, alors voyons ce qui n'a pas de prix. Ce qui n'a pas de prix, c'est ça. C'est vendu 5,68. Je vais le vendre 6, 85. Ensuite, ici, tout ça, c'est bon. Là, il n'y a pas de prix. C'est vendu 6,78. Je vais le vendre 7,05 €. Ensuite, les spaghettis, 8,02 €. Ah, c'est sûr qu'ils vont me dire, ah, c'est trop cher, 6,99 €. Voilà, le sel, 3,02 €. Le riz, 8,02 €. J'ai tous les prix, c'est bon, pas que je me fasse niquer. Ouais, c'est bon. Bon, bah, on va ouvrir. Hein. Hop, et on va voir ce que ça donne. Bon, par contre, le café, ouais, je pouvais pas en racheter. Voilà, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux produits. On a 6 nouveaux produits. La caisse, je pense qu'il faudrait que je la. Ouais, quoi que non, elle va rester ici, la caisse. Peut-être dans l'autre sens, vers le. Par ici, si je peux la pousser un peu par là, ça serait pas mal. Bonjour! Un but direct, acheter du sel. J'ai bien fait d'en acheter. Le fromage est trop cher. La dame juste avant, elle en a acheté. De toute façon, avec ton pull dégueulasse, c'est pas. Voilà, je te veux pas ici. Merci, ma petite dame. Est-ce que je peux bouger la caisse? Si je veux la bouger là, par exemple, je peux.
genre là. Oui, je peux, voilà. Il sera plus de place dans le magasin. Allez-y, faites-vous plaisir. Bouteille d'eau est trop chère. Voilà, comptez fromage. Bouteille d'eau est trop chère. Attendez, je vais rectifier ça vite fait, j'arrive. 3,05 et le fromage, il a dit. Hop. Voilà. Hop, j'arrive. Alors, 11, 51. Oh, vous avez raison, monsieur, c'est bon pour les os. Il y a plein de calcium dans le lait. Oui, il m'a pris les deux derniers cafés, il faut que j'en recommande. Je recommande du café. Elle évite du café. Hop là. Merde, je peux plus passer par là. Hop. Ah, l'huile d'olive, ça marche bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, quoi. Le pain de mie, ça part plus non plus horrible, terriblement. Hop. C'est le pain de mie, on a acheté. Hop, 26, 22. Rien qui est en rupture là, c'est bon. Ah si, l'huile. Ah si, il nous faut de l'huile. Hop, ça vous fera 18-19. Hop, hop, hop. Pom 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 pom. Ah, les paniers sont plus remplis maintenant. Allez, je vais allumer la lumière, monsieur.
Hop. J'arrête tout de suite les gens. Ah, tout de suite. D'accord, moi je pense que c'est pas les choses si on est dans le monde. D'accord. Je me suis dit si jamais vous allez taper, non, puis on est pas, nous on va aller penser à la machine. Non, là c'est bon, on va tout de suite. Ok, ça marche. Oui, bah oui, naturellement. Hop, re les gens. Allez, on y retourne faire des affaires. Alors, hop, impeccable. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de monnaie à rendre. Ça va, ça grimpe hein, quand même. L'argent. Alors, 11,32, hop. C'est addictif hein, quand même ce jeu. Ah. 43. 50. Hop. Putain. Tac, 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 tac. Hop, ma petite dame. 24,38. Donc, 11 centimes, voilà. Bon, voilà. Bon, par contre, je me suis fait défoncer les stocks, hein. C'est bien. Pain de mie, j'en ai pas vu beaucoup passer. Le pain de mie, ça marche plus tellement. Le pain de mie, ça marche plus tellement. Alors, tac, ça c'est bon. On va fermer le magasin. Donc les œufs ont baissé. Ok. Alors, par contre, il y a beaucoup de produits qu'on a pu. Je vais racheter une étagère pour lui faire plaisir à l'autre parce que. Voilà, une étagère. En fait, ouais, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas bouger les meubles. Je pense pas qu'on puisse les bouger. Ah si, ah si, je peux les bouger, ok. Autant pour moi, je peux les bouger quand même avec les produits, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voir un peu ce que je vais faire. Hop, voilà, les frigos, je vais les mettre ici. Là, hop, ce rayon-là.
Ah, ça marche pas. Donc on va le mettre ici. Voilà. Voilà, celui-là il est un peu décalé. Voilà. Alors, hop, là, on a une nouvelle section. Ok, c'est bon. On a quoi? Farine, il nous reste du pain de mie. Donc, on va commander. Je vois mieux d'ici. Il nous faut du fromage. Du fromage. Bah, je le vois. De toute façon, thé noir, il va augmenter. Ça n'a pas augmenté de façon exponentielle. Alors j'ai dit fromage, on va prendre des produits frais. Donc du fromage. Bon, fromage, on peut en mettre deux. Il nous faut des œufs. Des bouteilles d'eau. On va reprendre du lait. On va reprendre du lait. Il nous faudrait de la farine suprême. Tac. Des spaghettis. Alors, j'ai un bilan avec ce qu'on a commandé. Mais là, j'aurais dû doubler. Alors, il fallait que je double. Je vais doubler les œufs alors. Et le fromage, je vais le doubler, je pense. Si je mets le lait ici, je mets des œufs là, ouais, c'est bon. Faire ça, ça peut être pratique. Hop. Il y en a encore ou pas dedans? Non, je pense pas. Est-ce qu'il y en a encore là-dedans? Ouais, il y en a encore. C'est, on voit pas trop hein, des fois ce qu'il y a encore dans les cartons. Pourquoi il me remplit pas l'objectif accéder à une nouvelle section à l'aide de votre ordinateur? Ah non, section, je crois que c'est pour agrandir, punaise. Je crois que c'est pour agrandir le magasin. Non, je sais plus. Du coup, là, c'est du riz. Du riz, du sel et du beurre de cacahuète. Je crois que c'est ça. Hein.
Nouvelle section, non. Mais non. Alors, paf, du riche. Ok, il me faut des choux qui piquent. Il faut des choux qui piquent. Qui il me faudrait de la de l'huile d'olive et des pâtes enfin, voilà, et de l'huile d'olive. On comprend pas, soit il a bugué et il me demande toujours une nouvelle section. Mais pour, ah non, pour agrandir le magasin, je pense que c'est. Depuis tout à l'heure je me trompe en fait, c'est juste agrandir le magasin, je pense. Je pense que c'est juste ça. Hop, des choux qui piquent. Et ça, c'est quoi ça? Des choux qui piquent aussi. Et du coup, ça va me coûter combien pour agrandir le magasin? Pour agrandir, ça me coûte 350 balles. Ok. Hop, et voilà, on a ouvert. Bon, ça va, on a quand même du produit. Produit, tac, 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 ça en a assez, ça en a assez. Ce truc qu'on va être peut-être à court, ça va être la flotte, le sucre et l'huile d'olive. Peut-être que ça va être juste. Il arrive tard les clients quand même. Voilà, 9 h, ça commence à arriver. Ah, me saoule ces gens qu'on prenne des billets de 100, quoi. Prends du café, ma petite dame. Ah, vous avez vu, je lui ai demandé. Ah, bah, carrément deux pour me faire plaisir. J'ai l'air correct au niveau prix pour l'instant, ça a l'air de bien se passer.
Personne n'est mécontent. Je pense qu'au niveau tarif, je suis bien. Là, je revérifie les tarifs pour voir que je me fais pas avoir sur certains produits. Ah, trouver l'huile d'olive trop chère. Une cliente. À ça, huile d'olive trop chère. Bon, ça va, c'est pas non plus la cata quoi. Hop, voilà. Hop. Là. Ah, j'ai pas vu ce qu'il trouvait trop cher là. Pain de mie trop cher, ok. On va pas rigoler avec le pain de mie parce que c'est important. Donc on n'en vend plus beaucoup. Putain, ça fait défoncer la beurre de cacahuète trop cher, elles étaient deux, ça veut dire que c'est trop cher. Là, faut que je mette la farine de l'huile d'olive si j'en ai. Ok, normalement, j'ai de la farine là, bon, il ne reste pas des masses, mais bon. J'arrive, mesdames. Tac, tac, hop là. Plus qu'on poudre. Et attends. Je
Elle est trop chère pour vous, monsieur. Attendez. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui vienne encore dans le magasin. De toute façon, ouais. J'ai un petit peu quoi. Je crois que c'est vite ça. Hein. Fermé. Une mise à niveau, loyer, ok, ok. Le thé noir et les chocs qui piquent. Et le thé noir qui a diminué. Là, on va mettre à 25. Voilà. Du coup, faut que j'agrandisse le magasin maintenant. Voilà. Tac, tac. Le magasin s'est agrandi. Impeccable. Déjà celui-là. Voilà. Non. C'est bien compliqué là-bas. Là, ça, je vais poser là. Maintenant, on va faire les courses. Ah, la caisse, je peux la bouger. La caisse, je peux la bouger. Voilà. Ok, je vais la mettre là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut en produits frais? Il me faudrait pas grand-chose en fait. Choc qui pique, j'ai bon. Là, c'était quoi déjà? Merde, c'était quoi? Je me rappelle plus. C'était quoi ici? Je ne sais plus ce que c'était. Le sucre. Bon, il me faut du sucre, il me faut de la farine. De l'huile.
Donc on va déjà commander ça et on va voir ce qui nous manque. Oh, plus tard, on pourra faire un peu plus de réserve, mais là, on peut pas. Pain de mie, par contre, ça se vend plus. Hein. Pain de mie. Je vais faire une promo si ça continue. C'est dommage ici qu'on puisse pas exploiter plus, mais bon. Donc là, on est bon. On est bon, donc de l'huile d'olive et du café déjà. Et l'huile d'olive. Bon, les pattes, je pense qu'on va se faire défoncer. Sur les pattes. Spaghetti et l'eau, là, ça se vend pas. Ouais, la prochaine gamme de produits, je vais regarder vite fait. Prochaine licence, elle est à, non, c'est pas ça. Elle est à 550, c'est niveau 9. Ok, et là c'est du jus d'orange, du soda, jus de pomme, des packs de 6 de lait, du soda. On n'est pas encore arrivé à l'alcool. Hein. Bon, bah allez, je vais ouvrir. Ah merde, elle est là-bas, la pancarte d'ouvrir, putain. Comme d'hab, vous commencez à arriver à 9h, les gens. C'est chier, c'est de c'est d'agrandir, mais on n'a pas grand-chose au final. J'ai oublié de vérifier les prix. Bon, tant pis. Il va attaquer les prix. Cher les cheveux qui piquent. Hop, hop, il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose de trop cher. Tac, tac, tac. Ouais, 65. Ouais, je baisse le beurre de cacahuète. Thank you.
C'est ouais, le pain de mie, ça se vend vraiment plus. Je pense que je vais faire une promo sur le pain de mie si ça continue. Marine est trop chère. Une farine déjà. Attendez. On a dit que ma farine était trop chère, c'est ça? Ouais, bref, ça va. C'est pas celle-là qui a parlé. Pâtes aussi sont trop chères. J'arrive. Raison, on n'a pas vraiment du temps que ça. Merde, j'ai renversé le carton. C'est pas la folie là aujourd'hui. Les choux qui piquent, c'est encore trop cher. Et les pâtes, ouais, depuis tout à l'heure, c'est le deuxième qui me le dit. On va faire 0,5 et les choux qui piquent, on va les descendre à 50. Voilà. Hop. J'ai pas vu ce qui était marqué. Ça passe trop vite les textes. J'ai fait gagner la place, je reconnais. Trouver de farine machin, j'en ai plus. De la farine vite fait. Excusez-moi, ma petite dame, j'arrive. Hein. Je vais juste remettre de la farine vite fait. Bon, tu me diras, on va fermer le magasin. Thank you.
Alors, 5, 6, 7. Allez, vas-y, je te l'offre, c'est cadeau. Moi, j'ai trop cher pour elle. T'as 4,25. C'est vrai qu'il est cher quand même. Là, on va pouvoir fermer, hein. Ribasmati, ok. Du coup, on va recommander. Alors, attendez, parce que normalement, j'ai pas pris ma nouvelle licence. Voilà. Faire du nouveau produit, du jus, on a du jus d'orange, du jus de pomme, du soda. Et des packs de 6. Oui, il nous a fait une belle pile, lui. Alors, justement là, et ben là, on va faire ça, voilà. C'est quoi un shelf? Ça doit être ça. Bon. Mettre au frigo aussi. Ok, ça marche. Il a envie. Ouais. Désolé, c'est l'ouvrier qui avait fini son boulot. Du coup, moi j'ai dit ça, je vais le garder, on sait jamais. Par contre, je le referme parce que. Alors, je pourrais pas savoir ce que c'était, mais bon. Là, c'est du carton vide, je vais le stocker là. Et du soda. Ah, il faudrait des bouteilles d'eau. Hein. Faut que j'enlève des bouteilles d'eau, les gars. J'enlève des bouteilles d'eau, donc je vais recommander des bouteilles d'eau, tant pis. Ça se vendra bien, Jean. Bouteilles d'eau, j'ai pas envie, mais bon. Faut que je rebouge, je vais pas avoir assez. Ah, évidemment. Évidemment. Bon après, hein, j'ai toutes les gammes de soda. Hein. Là, ce sont là les bouteilles d'eau.
Ah ouais, mais du coup, ça m'aide pas, quoi. Fais cap, ça. Le lait, il n'y en a pas besoin. On n'en vend pas du lait ou quoi? Ok, je sais ce que je vais faire du coup. Du coup, on va mettre du soda là. Jus de pomme, est-ce que c'est au frigo le jus de pomme qu'on doit le mettre? Ouais. Du coup, j'ai mis ça, 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 le fromage. Ouais, faut que je mette le fromage. Est-ce que j'en ai encore du fromage ou faut que j'en recommande? Non, faut que j'en recommande du fromage. Du coup, j'ai dit que c'était pour mettre quoi? Le jus d'orange bio. Donc le fromage, on va le mettre ici. Tac, le jus d'orange, on va le mettre ici. Hop. Merde, c'est pas le même, putain. Merde, quel con. Quel con. Tac, tac, tac. Putain, le con. Bon, c'est pas grave, je sais aussi que je vais le mettre. En attendant, je vais le mettre là. Ah oui, merde, il y a... Bon. Bon, le jus d'orange, celui-là, je vais le poser là. En attendant, il va être en stand-by. Présentoir est plein, ok. Du coup, je me suis fait niquer. C'est la bouteille d'eau, sac. Donc, en gros, là, jus de pomme ici. Ici, ça va être le jus aussi. Je vais peut-être remonter le coca là et je vais mettre les jus ici après. Là, il me faut. C'est quoi ça? Alors, c'est le carton vide. Du coup, là, il me faudrait la farine premium. Ensuite, bon, les spaghettis, ça part pas beaucoup. Du beurre de cacahuète. Du sel. De l'huile. Tac, tac, tac. De l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Hop. De l'huile d'olive, j'en ai encore là. Et le pain de mie, je pense qu'on va faire une petite promo sur le pain de mie quand même. On va mettre à 4,90€. Donc là, il me faut du café, du thé noir, de l'huile normale. On a commandé du café, du thé noir. Allez, c'est trop, putain.
Ça va vite. Hein. Ça va vite. J'ai oublié de faire les prix. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vérification de tous les prix pour voir. Là, on est un peu, on n'est pas assez cher là. Faudrait vraiment que ça soit ça. Ça, c'est 2,60, donc on va mettre à 3,86. Ça fait combien de marge? 3,21. Lui, on va le mettre à 3. 65, ok. Le jus de pomme bio, on va le mettre à 4,06 €. Le cola, on va le mettre à 4,03 €. Merde, j'ai mis 40 €. C'est sûr que personne va l'acheter, quoi. Alors, je regarde pas me faire niquer, tous les prix ont été faits. Non, le lait là-bas. Ouais, je verrai ça après. Donc là, il faut que je vérifie tous les prix. Voilà, je peux même augmenter à 3,52. Ici, le fromage, c'est toujours trop cher, mais là, il ne faut pas abuser non plus. 5. Les œufs bio, hop, on peut augmenter. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Les Chokipic, on va rester comme ça, je l'ai fait. Le sucre, on va peut-être pouvoir l'augmenter à 7,60. Merde. On va faire une grosse marge là-dessus. Merde. Mettre à 7,50. Ok. La farine, faut pas abuser. 5,95. Hop, je refais mes prix, bien sûr. 7,95. Les pâtes, ça part pas. Bah, c'est normal, ça part pas. C'est un peu trop cher quand même. On va mettre, voilà, barre de cacahuètes, ça part comme des petits pains. 7,21. Je recommande du riz. Faut que je recommande. Ça y est, il vient de partir là. Il vient de partir il y a 2-3 minutes. Ça, c'est bon, on est bon. Bon. Maintenant, lui, alors 0,5, c'est une grosse marge là-dessus. Ok. Il faut du riz, du riz, du riz, du riz.
Hop, voilà. Donc. Merde, j'ai bougé mon carton, attendez. Hop, hop, hop. Ça, je crois que c'était celui-là, non? Si je dis pas de conneries. Je crois que c'était celui-là. Et je vais pouvoir ranger mes petits jus de pomme là, enfin les jus d'orange. Voilà. Bon, bah on va ouvrir, hein. De toute façon, on n'a plus le choix, il n'y a plus beaucoup d'argent. Hop, on va fermer ça, hein, pour qu'il y ait un petit rigolo qui vienne. Hein. Tac, voilà. J'ai même pas encore été sur la banque. Prendre un prêt, ne joue pas de prêt, et ça, je vais me démerder tout seul. Non. Bonjour madame, excusez-moi, je me tire. Le fromage est trop cher. Allez, ça commence. Merde. Merde. 5,02. Une pomme trop chère et le sel trop cher, ok. Attendez, on va tout refaire. Tac, 3, 60. Là. Huit. Ouais, spaghetti. En avoir des trucs que je trouvais trop cher quoi. Le sel est trop cher, hein. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Hop. Là, c'est tout bénef le lait. Par contre, je me fais une putain de marge. Je pense que je vais le remonter. Oh merde, fichier. Je pense que là, je peux le remonter encore un peu. Je pense que je peux mettre, on va essayer 95. Soda est trop cher.
soda trop cher, spaghetti trop cher. Ok. Soda trop cher. Je pense que ouais, les sodas sont trop chers. Ouais, soda trop cher. Il n'y a que tout qui est trop cher, quoi. J'ai des clients chiants aujourd'hui. Alors, 10. Je vais refaire, merde, je vais refaire tous les prix demain. Je vais refaire tous les prix. Pas trouvé, t'as pas trouvé de café, machin. Bon, je sais qu'il y en a plus. Alors, 5. Hop. Allez, tiens, je t'en fais cadeau. Donc le sel est trop cher, c'est ce que j'ai vu. 3,05. Les sodas sont trop chers. 3,45. Hop. 4. Hop là. L'œuf est trop cher. J'arrive, messieurs, dames. Évidemment. Là, tu nous fais chier. Et en plus, il faut se faire la gueule. Alors, 30, 20. Tac, voilà. J'allais fermer le magasin. Tac. Bon, du coup, cette fois, on fait le plein de tout. On s'en bat les steaks, on fait le plein de tout. Du coup, les bouteilles d'eau, ça se vend pratiquement plus. Ça me fait chier. J'aimerais bien en vendre au moins deux pour dégager celle-là. Donc, sur la bouteille d'eau, il n'y a pas besoin. Les sodas, il n'y a pas besoin. Le lait, il y en a besoin. Normalement, j'en ai. J'en ai les œufs bio, est-ce qu'il en faut? Ouais,
Là, cette fois, on va faire plein un petit peu. Des bisous, Fabienne, à plus. Merci à toi. Là, on va essayer de bien étaler, de bien achalander le truc. Donc ça, bah ça, je pense qu'on n'en a pas beaucoup vendu. Bah ça se vend pas par contre. D'être dégueulasse ce soda. Là, j'ai peut-être dû en vendre. Ouais, j'en ai vendu deux, quoi. Les bouteilles d'eau, bah, pensons, on a trop. Faire un petit prix sur les bouteilles d'eau, certainement. C'est lequel c'est. Peut-être faire une OP sur les bouteilles d'eau. Faire une OP sur les bouteilles d'eau. Je vais les mettre à 3,20. Voilà. Donc là, on est bon. Il nous faut du fromage. Il nous faut du fromage. Ensuite, fromage. Il nous faut du jus de pomme. Ensuite, des choux qui piquent. Le pain de mie, du coup, le pain de mie, ça a bien marché, c'est bien descendu, mais on va attendre. De la farine premium. Du café. Café, ça, hop. Ta-ta-la-la. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Hop là. Des choux qui piquent. Il nous faut des panzetti là. Prochaine licence, c'est quoi? Prochaine essence, c'est gâteau, bonbons, céréales, ok. Ok. Pense qu'au final, ça, je vais mettre en boîte. Pour l'instant, ça ne me sert à rien. Maintenant, le mettre en boîte et j'ai posé. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Hop. Ça me sert à rien pour l'instant. Du coup, là, j'ai du beurre de cacahuète, j'ai du sel, j'ai du riz.
Il me manquerait quoi là? Attendez, faut que je regarde. Le capic, ça on a. L'huile, on a. Ah, l'huile, peut-être. Sucre en poudre. Non. L'huile, on en a. C'est de l'huile d'olive qu'il va nous falloir. Bouteille d'eau, fromage, ça on a. Ça on a, ça on a. Ça on a. De l'huile d'olive. Spaghetti, du riz basmati, du sel on a. On a, merde, j'ai oublié de valider le panier. Eh mais oh oh oh, ouais, là-bas toi. Putain, qu'est-ce qui va me faire chier ce truc. Du coup, hop, de l'huile d'olive. Je pense que le sel, je vais le remettre là. Voilà. C'est un tout petit carton, ça. Merde, c'est pas ça que je voulais, c'était le riz. Est-ce que j'ai encore du riz ou pas? Je vais recommander du riz. Du coup, ici, là, ça, le riz, je vais le mettre là. Je refais un petit peu tout le temps. Voilà, là. Là, c'est bon. Le sucre, l'huile d'olive, ah oui, l'huile d'olive, je vais la mettre là. Bon, lui, je la redéplacerai plus tard. Ah, quoi que je peux recommander de l'huile. Je peux recommander de l'huile et de l'huile d'olive, on s'en fout. Ça a raison, de toute façon. Hop. Voilà, je prévois. Parce que l'huile d'olive, ça part bien des fois. L'huile. Du coup, on a tout ce qu'il faut là, ouais. On va recommander un peu de pain de mie. Le pain de mie, le sucre, c'est bon. Merde, il manque quoi? En fait, là, j'ai tout normalement. Des packs de lait, putain, c'est vrai, j'ai tout vendu les packs de lait. C'est vrai, j'ai tout vendu. Hop. Hop, voilà, paf. Et normalement, on a de tout. Ok, allez, c'est parti. J'ai dit petit OP sur les bouteilles, c'est ça? Attendez. On va faire l'OP de malade. 3 euros la bouteille, ça vaut trop le coup. Faut venir acheter. Merde, j'ai pas ouvert le magasin.
Allez, c'est parti. Hop là. Ouais, j'espère qu'ils vont acheter des bouteilles d'eau. Allez, premier client. Est-ce qu'il va aller? Non, il achète, c'est bon. On va acheter des petites Papa? bouteilles d'eau. Eh ben, il m'a envoyé quoi? Donne-moi mon téléphone et je l'ai pas. Bon. T'as envoyé un message? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, monsieur? Je ne peux pas vous dire rien. Quoi? Pardon. Bah non. Parce que c'est comme ça. Donc je dis Bérénice, elle m'a envoyé un message. Bah non. Ah oui, bah oui, mais j'ai vu, oui, ça. De quoi? Mais si, il y en a. Parce que c'est une étagère, j'en ai pas besoin. Le riz est trop cher. Ok, on va le baisser un petit peu le riz alors. Et où, frigo? Alors, 6,95 €. Hop. Ah ouais. Voilà, il m'a acheté les bouteilles d'eau, lui. Mais non, putain. Comment je fais? Mais non. Putain. Ah merde, j'ai perdu de la thune, ça me fait chier. Perdu 70 balles, quoi. Pas compris pour reprendre la séance de Netro. Arrête de me demander, ça va être non. Merde, y a un truc sans prix. C'est quoi ça, sans prix? Attendez, c'est quoi qui a sans prix là? Comment ça, y a un truc qui a pas de prix là? Merde, c'est celui-là.
T'as combien? Alors, le sel. Le sel est trop cher, donc 2,95. La nuit est tombée. Ouais. Tu t'occupes des clients? Le turco soda, c'est quel le turco soda? C'est celui-là, le turco soda, je pense. 3,30 €. Coca. Je répète, c'est du coca. Est-ce que tu veux que tu bouges les fesses? Ils m'ont dépouillé tout le café. Café. Bonjour madame. Café? J'ai plus de café. Je recommande un petit peu de café. Merde. Ah, il fait chier ce carton. Oui, j'arrive. Merde, je l'ai pas commandé au final. Ça, le jus de soda, là, ça me fait chier. Je vois pas ce que c'est. Ah non, c'est vrai que je peux pas commander. 21 h. C'est quoi le jus soda là? C'est bon, on a dépassé pour la première fois les 1000 boules. Ah, arrête de bouger, toi. Pécile, va. Bon, bon. Ben, on va fermer le magasin. Le turco soda, il remonte maintenant, j'en ai rien à foutre. Du coup, lui, il commence à me saouler, donc je vais la reposer, tant pis, parce qu'elle me saoule. Voilà. Alors, voyons ça. La farine, j'en avais là. Allez, je vais recommander, je vais voir pour les licences. Là, je vais prendre celle-là. Hop. Voilà. Je vais pouvoir acheter des nouveaux produits. Non, pas. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveaux produits? Des bonbons, des gâteaux, des céréales, des barres de chocolat, des yaourts. Non, non, non. Pas du yaourt. Là, on a des yaourts. Les yaourts, on va les placer dans le frigo. Dans le frigo, j'aimerais bien les placer là. J'aimerais bien les placer là, les yaourts. Et là, j'ai quoi? C'est du soda normalement là-dedans. Ouais, c'est le soda. Là, tu me diras. Attendez. Je sais plus c'est quel soda. Si c'est le rouge. Non, le tout rouge, il est là-bas. Ça par ici, hop, ouais, je marche sur les cartons, c'est pas grave.
Ce soda-là, c'est celui-là, justement. Là, comme ça, tous les sodas, ils sont dans le même frigo. Des bouteilles d'eau, est-ce qu'on en a? Oui, on en a vendu. On va arrêter de faire des tarifs dessus. Ça, je ne sais pas, c'est du tout, c'est lequel jus. Celui-là, ok. Donc du coup, mes petits yaourts, je vais pouvoir les mettre ici. Voilà. Alors ça, je vais le mettre là-dessus. Non. Ouais, voilà. Ça. Là, je vais mettre là, là, ici, là. Voilà. Les tout petits cartons, je vais les mettre là. C'est quoi? Putain, c'est du riz. Non, putain, c'est pas là le riz. Je pense que c'est là. Le sel. Le jus de pomme. Ça, on a dit qu'il y en avait beaucoup. Là, il reste un. Voilà, on est bien organisé. Faut pas oublier de faire les prix après. Ça, c'est quoi? C'est des chocottes. Des chocolats. C'est quoi des chocottes? Hein? Je vais le mettre là. Du chocolat, Benjamin. Les bons becs. Les bons becs. Les bons becs, je vais les mettre. Je vais les mettre ici. C'est quoi des bonbons? Des bonbons. Les crispy chibi, je pense que je vais les mettre là. On a quoi? Les gâteaux bon papa. Pense que je vais faire plutôt l'inverse. Les bonbons, je vais les placer, je vais les passer ici, je pense après. Donc là, ici, les pâtes. Ouais. Attendez. Faut que je reprenne des pâtes. Je vais en recommander des pâtes. Des pâtes comme ça et des pâtes comme ça. Je voulais te parler. Quoi? Bah, des petits nounours, il y en a plus. Non, Ah bon? il y en a plus. Les panzati, donc j'ai dit les panzati, je vais les mettre où là? Ok. Et tu m'as dit quoi, Lucie? Ça, c'est les spaghettis. Les spaghettis. Quoi? Il faut faire son magasin, quoi. C'est tout bête. Hop.
Voilà. Les bouteilles d'eau, je vais arrêter de faire un prix dessus parce que... Hop, 3,63. Alors là, j'ai tout ça, j'ai tout ça. L'huile d'olive, il m'en faut. Ça fait tout ou pas ? Non. Voilà, ça c'est comme ça. De l'huile normale, je pense qu'il en faut. Quoi ? Voilà. Les sucres, il n'y en a pas. La farine. Ah oui, il faut de la farine. Il nous faut de la farine. Merde. De la farine comme ça. J'ai pas regardé, j'ai pris tous les nouveaux produits ou j'ai pas tout pris? Et j'ai tout pris les nouveaux produits, donc ça c'est bon. Alors du coup là, je vais reprendre de la farine, comme ça, du sucre et du pain de mie. Oh non, pas de pain de mie. Du pain de mie, de la farine comme ça, du sucre. Eh ben, je t'écoute. Ouais. Hein? Du coup, les pains de mie, voilà. Vraiment, c'est bon. Bon, du coup, là, il nous manque rien. Hein. Ah, si, un soda vert. J'en ai plus du soda vert, non? Non, il nous faut du soda vert, ok. Et je crois qu'il va me falloir des produits frais. Hein. Il faut qu'on mette du fromage aussi. De quoi? Ouais, c'est bon. Et donc, on a dit du fromage. Et du caca. Fromage. Bon, arrête, Benjamin. Bon. Bon, tu crois que c'est bon, on a tout? Il manque les prix. Faut pas aussi le même. Faut pas que je peux signer, tu veux? Non. Ah oui, du lait. Bon, ça, je peux l'augmenter encore. Je vais l'augmenter d'un euro. J'ai pas mal de marge dessus, mais ça se vend super bien, ça. Donc du lait, pack de lait, café, thé noir, on a. Ouais. Hello. Hop, voilà. Mais allez, c'est parti, Benjamin. On ouvre le magasin. Hop, allez, c'est parti. J'allume la lumière tout de suite, comme ça, ce sera déjà fait. Allez, on va voir si les gens, ils aiment les prix, s'ils aiment les nouveaux bonbons, les gâteaux. Non, toi, tu vas pas faire.
Non, là, il m'a dit que demain, donc 9 h. Et puis, si, il m'a dit qu'ils allaient poncer tout, hein, de toute façon. Est-ce que les Ah non, ils sont repartis. Ils reviennent demain. Ah, premier monsieur client, sont mon arrivés? Benjamin. Dis-lui d'aller acheter des bonbons. Benjamin, c'est pour les embêter, ils viendront monter, on va pas Non, tu peux pas le faire. Parce qu'il faut calculer aussi. Faut savoir lire, mon petit Benjamin. Ça va? C'est bon. Fait avoir. Non? De quoi? Vas-y, va y demander, vas-y toi. Hop là, impeccable. Bon, comment ça va sur le live? Ah, bah voilà, une petite gourmande. Hein, je savais bien que t'as... Voilà, tu t'es fait un peu casser les fesses, hein, j'ai vu comment tu marchais. Ça reste entre nous. Bon, elle a pris des chamallows, donc ça va. Ah, j'ai pas vu. Ça est trop cher. Bon, c'est bon. Là, tu veux chipoter, tu trouves tout trop cher, mais comme il n'y a que toi, pour l'instant, on va pas se faire chier. Voilà. Parce que t'as, je sens que t'es une casse-couille. Voilà. Il y en a qui volent. Je ne rêve pas. Là, il y a des clients qui ont disparu alors qu'ils prenaient des choses. De la chour là. Voilà, oui, c'est pas tout à fait. Ah, t'aimes bien les nouveaux produits, hein. L'huile d'olive est trop chère. On va rectifier ça. Non, non, mais tu te calmes, Benjamin. Si j'ai dit non, c'est pas la peine de demander à ton père. C'est la même Bon, chose. stop, stop, stop. Stop. Je suis en live. On se tait. Maintenant, tu regardes ça et tu te calmes. J'ai un truc sans fixer de prix. Quoi? Pourquoi les yaourts, ils ont plus de prix? Pourquoi ils ont pas de prix, les yaourts? Non. Parce que je te fais pas confiance, je te prêterai pas mon téléphone. Bah sur quoi tu veux écouter? Non, Bérénice, la télé là-haut, c'est pour Bérénice, donc voilà. Bah ça part bien les bonbons, dites donc. Le thé noir est trop cher, ok. Jus d'orange? Je vais commander du jus d'orange. C'est quoi?
Je recommande du café aussi. Mais les bonbons, il n'y en a plus qu'un. C'est bien vendu les bonbons. Écouter de la musique. Non mais je m'en fous, je te fais pas confiance, donc cherche pas. Non. Mais c'est pas une question de comédie, c'est une question que j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Toutes les 5 minutes, quand je te prête le téléphone, faut que je te dise, ne joue pas. Tu es tout le temps en train d'aller télécharger des jeux. Donc maintenant, je ne te crois plus. Fin de l'histoire. Non, là-haut. Je m'en fiche, je ne te crois plus. Et là-haut, c'est pour Bérénice, ta télé. Donc maintenant, ça suffit. Si t'es pas content, tu sais quoi? Tu vas t'asseoir dans un coin et tu fais du boudin. Voilà. Cartonné aujourd'hui. Hein. Chiffre, c'est pas énorme aujourd'hui. Encore trop cher, putain. Oui. 2,85. Alors, 2,29. Bon bah voilà, hein, j'ai envie de dire. On a fait une grosse journée par rapport à celle d'avant. Suzy, sucre en poudre, le comté il a diminué, donc on va le rediminuer. Voilà. 4 euros. 82. Ça c'est bon. Non, sur des trucs ouais, le cola là il part pas tellement, peut-être trop cher. Ah non, les achats 50 centimes. Ouais, je vais me faire à 3 euros. Ouais, je vais faire à 3 euros. On va être en dessous du prix du marché. Là, je vais mettre quoi 3 euros aussi. Allez. Hop, on se fait de la marge quand même. On va tout mettre à 3 euros. Sauf celui-là. Celui-là, je vais le mettre à 2,40. 2 euros de bénéf. Je pense que ça sera mieux. C'est vrai que j'ai pas pensé le prix d'achat et tout. Là, la bouteille, on peut la mettre à 2,64. Merde. Ça marche jamais, ça suffit. 2,64. Voilà. Là, je pense que ouais, les marges sont trop importantes. Ça, c'est bon, on s'en fout. Le lait, ça marche bien. Ça, je trouve que c'est très bien. Là, on est sur très bien. Là, on peut s'aligner à 2,71.
fait un peu moins de marche, mais c'est pas grave. Là, hop, on peut s'aligner à 2 euros normalement. Hop. Un peu moins de marche sur des trucs, mais je pense peut-être qu'on va voir si on vend mieux ou pas. Ça, je l'achète 85 centimes. C'est 2,80, donc je peux faire à 2,71. Hop. Après, on va voir si c'est un truc qui marche ou pas. Je pense que ça va marcher comme truc. Je sais pas du tout comment il avait l'intelligence du jeu, donc. Celui-là, il s'est pas du tout vendu. Celui-là, il se vend quand même relativement bien. Là, il se vend super bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les... C'est les jus de pommes. Ok. Tac, voilà. Ça, c'est des pâtes. Café, non, il n'y a plus de place. Pareil, là, il y a de la place. Là, ça, c'est le jus d'orange. Tu t'enches chez moi, il n'y a plus de place. Le riz, voilà. J'ai des bonbons et tout après. De l'huile. Je crois qu'ils n'ont pas arrêté de dire que c'était trop cher. La 3,95. L'huile d'olive, est-ce que ça a bougé un peu? Ouais. Les yaourts, ça a bougé, ça c'est sûr. Sel. Je recommanderai plus tard, je vois un petit peu les trucs qu'il y a. Donc du coup... Si je fais de la gestion, dans gestion. Donc la prochaine licence de produits, elle coûte 750, elle est niveau 12. Mais putain, j'ai des factures à payer. Ouf, ouf, ouf. Ouh, j'avais pas vu les factures. Donc deux. Ouais. Embaucher, ah, je peux embaucher une caissière. Salaire quotidien 80, salaire à l'embauche, ok. Stockage. Oh, 1000 dollars pour du stockage. Espace de stockage est verrouillé, ok. Customisation prochainement, d'accord. Je peux embaucher, voilà. J'ai embauché quelqu'un, d'autres employés seront bientôt libres. Et ben voilà. On en parle ou pas de ta tenue, mon grand? Ouais, l'air très aimable. On en parle de ta tenue ou on n'en parle pas? Je vais licencier. Voilà. Voilà. Hop. Désolé, je te licencie. Voilà. C'est. T'as qu'à mieux t'habiller. Voilà. Je pense que je vais commander quand même des trucs tout de suite et après je vais arrêter. Voilà. Ah, je suis désolé, mais il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Le mec, il vient comme ça au travail, c'est inadmissible, quoi. Du coup, de la farine premium, là.
Ensuite, il nous faut du beurre de cacahuète. Des spaghettis. Du lait, ouais. Du pack de lait. Hop. Tac, tac. Mais bon, bec, j'aurais même pu en faire un deuxième rayon, mais non. Bien d'avoir un peu de stock. Par contre, la flotte, j'ai fait quelques conneries. Faisant pratiquement plus, j'en ai encore un carton. Du thé noir. Il faut du thé noir. Hop, voilà. Bon, du coup là, on a du fromage, on a ouais, des fromages. Ouais. J'avais pas commandé du lait. Enfin, il me reste rien, tu vois. Pour savoir comment on dit du lait. Voilà. Du lait. Et du fromage. Vous savez quoi, je vais faire un truc. Merde, j'ai pas belle quoi. Regardez pas les règles d'hygiène, il n'y a pas de chambre froide bien sûr dans le jeu. Je pense que je vais mettre tout ce que j'ai en rab sur un autre rayon, je pense. On va faire un rayon rab. Un rayon t'en veux et t'en reveux. Tu vois par exemple, je pense à les bonbecs, tu vois, les bonbecs, je peux en mettre là aussi. Ça m'évitera de me faire chier à remplir au fur et à mesure. Hop, là par exemple ce carton de bonbec. Là, il est très bien là. Voilà. Là, le beurre de cacahuète. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément, on s'en fout. Le thé noir, il y a largement ce qu'il faut. Il n'y a pas énormément de trucs quand même, parce que c'est souvent des trucs qui se mettent au frais. Ouais, je vais pas me faire chier. Voilà. Voilà. C'est fou, même s'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Voilà, ça va remplir un rayon.
Ça m'évitera de repiocher dans les cartons après. Hop, un petit bon bec pour un bon bec, on va le mettre là, on s'en fout. Non, faut pas abuser non plus un bon bec. Du coup, l'été noir, voilà. Hop. L'été noir, je vais remettre le carton là. J'aurais dû garder le carton des farines, mais bon. La farine, ça va, ça part plutôt bien. Oh, ça, le café, bon, bah, voilà, quoi, hop. Hop. Oh, l'huile d'olive, on va la laisser là, ouais, on va la laisser là. C'est déjà pas mal, la farine, hop. La farine, je vais la mettre là, voilà. Ah, je laisse les cartons vides là, comme ça, je pourrais les récupérer au cas où. Donc là, normalement, ah, on est pas mal. Hein. C'est pas mal. Par contre, ouais, je comprends pas. Le magasin est beaucoup trop grand pour ce que j'ai pas encore les moyens d'avoir. Un niveau 10. Je sais pas pourquoi. Ou alors, les gens, ils doivent s'en foutre que ça soit trop cher. Et il y en a, ils doivent. Il y en a, ils ont quand même des big magasins, ils ont quand même pas mal de trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent là-dessus? Alors, copier le texte. Traduction. Traduction. Alors, problème de printemps, caractère. Salut à tous. J'ai une annonce importante. Malheureusement, on a eu de mon produit il y a quelques semaines. Et malheureusement, nous avons pris un erreur. Il n'est pas le cas cette fois-ci. Si vous rencontrez des problèmes de printemps, avec le démon ombre, ou si vous rencontrez ce problème-là, c'est un dur. À l'heure actuelle, les auteurs des modes ne pourront pas faire grand chose pour résoudre ces problèmes puisqu'on ne peut pas les mains de nous devons attendre que le jour on publie une nouvelle version de leur dev kit. Franchement, ils nous font chier, Wildcard, quoi. Ils nous font chier. Bon, bah moi je vais vous laisser et puis on se retrouve demain ou après-demain. Je vous dis, ça va être aléatoire. Peut-être un jour sur deux, les streams, je peux plus en faire tous les jours pour l'instant. On va pas se refaire Supermarket Simulator. Je pense qu'on va. Alors, peut-être pas Ark, parce qu'en ce moment, Ark il est cassé. Merci, Wickard. Je pense qu'on va passer sur. Je sais pas. Peut-être Mud Runner, peut-être autre chose, on verra bien. Ou Call of. Bon, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao! Ah, bugué.